Agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien aujourd'hui nous commençons le premier dimanche de Carême, l'occasion d'aborder encore et encore cette notion qui pour pas mal d'entre nous est un peu méconnue ou alors interprétée d'une façon un petit peu décalée. Puisque, en fait, ce que l'on comprend, on va dire un carême bien compris, c'est pas, il faut le soleil au carême. Le carême, il est tourné vers la Pâque. Si on regarde le carême sans se fixer la Pâque, eh ben, c'est foutu. On va rester dans quelque chose de sombre et Jésus bien-aimé, tu ne veux certainement pas que nous soyons pris dans cela, puisque Pâques est au bout du carême, dans 40 jours, et Jésus, comme nous l'a dit d'ailleurs, nous l'avons entendu ce matin dans une belle homélie, merci à ce prêtre de l'avoir rappelé, c'est le soleil de Pâques. Voilà, Jésus est le soleil de Pâques et nous avons cette direction à prendre avec notre carême. Hein, ce qui va être l'occasion, bien sûr, de pénitence, quelques petites privations, mais qui ne sont pas des privations dans un but de privation. Le but de se priver de quelques petites choses, ou même de grosses, c'est tout simplement de montrer à Jésus que nous ne sommes pas prisonniers d'idoles. Vous savez, les fameuses idoles. L'idole, c'est quoi? Eh bien, l'idole, c'est tout simplement ce qui nous fait regarder l'objet plutôt que le bon Dieu. Donc quand on regarde Jésus qui est Dieu, on regarde au bon endroit,
c'est-à-dire vers lui que nous avons à adorer, que nous adorons. L'idolâtrie, c'est justement de regarder des objets, des choses, ça peut être aussi des personnes. Et nous nous égarons, car nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans des personnes, puisque notre confiance, nous la déposons en Jésus. Bonjour messieurs, dames. Et en mettant cette confiance dans notre bien-aimé Jésus, lui-même qui nous a commandé, un, de l'aimer, d'aimer son Père et d'aimer l'Esprit Saint, et deuxièmement, de nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, eh bien, ça passe justement par tout remettre à l'endroit, c'est-à-dire aimer Dieu, bien sûr, en premier, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et nous aimer les uns les autres, mais en aucun cas, nous ne pouvons nous laisser aller à idolâtrer des personnes. C'est le casse-gueule assuré. Et c'est ce qui s'appelle l'idolâtrie. Hein. Vous vous rappelez, à une certaine époque, au début des chanteurs de variété, ils appelaient les chanteurs, c'est rigolo, l'idole des jeunes. Voilà, ça nous paraît ridicule maintenant, mais quand on voit ce qu'il y a à la télévision, ça n'a pas vraiment changé. C'est pire. Maintenant, il y a des chefs de cuisine qui sont portés dans des émissions de cuisine, qui font croire que tout le monde peut devenir un grand chef de cuisine. À ce propos, est-ce que vous savez ce que veut dire chef? Parce que dans les évangiles, à un moment donné, il y a un apôtre qui appelle Jésus chef. Chef, chef! Alors, on connaît ce mot chef, mais est-ce qu'on en connaît la signification? Moi, je fais le mariole, là, mais je ne le savais pas. Chef, ça veut dire la tête. Et oui, donc, l'idolâtrie à éviter, à fuir. Alors après, on peut aussi être idolâtre envers des objets. Je ne sais pas, moi, que ce soit la voiture, que ça soit aussi des comportements alimentaires, etc., etc. Nous avons des choses que nous avons mis au-dessus de Dieu, tellement nous en sommes dépendants. Voilà l'occasion de ce carême pour montrer à Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, que nous n'avons plus d'idoles. Et que si nous en avons, eh ben, nous pouvons les offrir en sacrifice à Jésus, de lui demander de nous délivrer de ses idoles. Le carême, ça peut être, bien sûr, c'est pour ça, et dans notre société d'image, soi-disant de communication, il y a un gros travail, notamment la fameuse télévision qui, elle, est là, souvent, dans un lieu particulièrement visible, et le regard se porte sur elle pendant des heures et des heures et des heures. Et est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie que de passer des heures et encore des heures à regarder cet objet et ces images? Est-ce que le carême n'est pas l'occasion, justement, de nous délivrer de ces images qui nous inondent, qui nous polluent, et surtout, dont l'objectif principal est de nous faire perdre notre temps. Car ce temps passé devant la télévision, c'est un temps de prière en moins, c'est un temps que nous pourrions utiliser à prier, c'est un temps que nous pouvons utiliser à communiquer en famille, à discuter en famille, pourquoi pas à jouer en famille, à sortir en famille, etc., etc. Donc vous voyez, le carême est l'occasion de délivrance. Quand on le tourne, on se tourne vers le soleil de Pâques qui est Jésus. Cette Pâques qui va venir et d'ici là, nous avons besoin. Et ça, c'est un constat très simple. C'est que nous avons besoin de moments de creux comme ça. Et le carême est un moment de creux voulu par l'Église, la Sainte Église catholique,
pour que nous puissions nous préparer à accueillir cette joie de la résurrection de notre bien-aimé Jésus, que nous fêterons aussi. Hein, il s'agit de fêtes. On va pas, Jésus est ressuscité une seule fois, hein, il ne ressuscite pas chaque année. Mais simplement, nous avons tous des creux. Je vais prendre un exemple qui pourrait paraître un peu trivial. C'est que si on mangeait, par exemple, toute l'année, notre plat préféré, nous nous en éprouverions certainement aucune joie. Eh bien, c'est un peu comme ça. Nous, humains, on est fait comme ça. On a besoin de petits moments de creux, pourquoi pas de petits jeûnes, pour apprécier quelque chose que nous aimons. Et bien sûr, la fête de la résurrection de toi, Jésus bien-aimé, c'est la plus grande fête de l'année avec Noël. Voilà, il n'y en a pas trois de plus grandes fêtes de l'année. Il y en a, allez, on va dire qu'il y en a trois. Il y a bien sûr la Pâque, Noël, et bien sûr le 15 août, où nous fêtons la très sainte Vierge Marie et son Assomption. Et vraiment, voilà, je vous invite, je nous invite, je m'invite aussi, hein, à ce que ce moment de carême soit l'occasion, voilà, d'aller dans ses profondeurs, on n'y va pas seul dans ses profondeurs, on y va avec Jésus. C'est la métaphore, l'image de Jésus au désert. Jésus vient dans nos déserts. Dans nos déserts pour les verdir, bien sûr. Pour les verdir avec son eau vive, avec sa joie, avec sa puissance qui nous permet d'être libérés de ce qui nous empêche d'avancer. Oh merci Jésus, toi qui vient dans nos déserts. Viens dans nos déserts, ô Jésus, pendant ce carême. Alors, c'est la prière que nous pouvons faire, demander à Jésus de venir verdir nos déserts. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis, selon ta sainte volonté, Jésus. Marie, toi l'Immaculée Conception, Sainte Mère, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui méditais en ton cœur tous les événements, quels qu'ils soient, eh bien, Saint Joseph, Saint, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus. Toi, notre seul Maître, ô Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voilà les amis. Je vais vous passer le bonjour de Louis, le bonjour d'Arlette et de Pascal. Et de Pascal, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.